Donc, on va commencer à apprendre comment faire le haut du pull. Donc, c'est-à-dire ce joli haut. Vous voyez, il y a un motif fantaisie. Moi, j'ai voulu qu'il y ait ce côté pas commun. Donc, après, c'est au choix. Voilà. Ensuite, vous voyez, ça continue les manches en relief parce que j'ai fait des rangs en relief. Vous voyez? Ça donne encore un côté non commun. Voilà. Ensuite, on fera la deuxième manche ensemble. Mais d'abord, je vais vous apprendre cette partie, comment je l'ai fait. C'est bien parce que vous pouvez le faire pour toutes les tailles. Donc moi, je l'ai fait pour un petit bébé d'à peu près 3 mois. 3-4 mois, voilà. Ensuite, ben, ça dépend pour la personne ou l'enfant que vous voulez faire. Vous pouvez même faire adulte. Hein. Donc, je vous ai fait un dessin que je vais vous expliquer. Alors, comme j'ai pu, hein. Je ne suis pas une professionnelle du dessin. Donc, ici, en fait, que je vous explique. Donc, il y a trois parties égales dans le haut d'une robe et dans le haut des pulls. Hein. Donc, trois parties égales. Et ici, au lieu de faire, vous pouvez faire aussi la quatrième partie, il faut diviser 16 par 2, normalement, 8 et 8. Moi, je ne le fais pas parce que 7 plus 7, 14. Donc, il y aura un petit décalage. Mais ce petit décalage, moi, je vais faire un bord. On va faire toujours une finition. Parce que derrière, il y a une ouverture. Donc moi, j'ai attaché comme ça pour que vous, avant de faire les finitions, pour que vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Mais ici, il y aura une finition. Vous voyez le décalage? Il y aura un rang et un rang de finition. Donc du coup, ça va faire ajuster. Si vous faites pile poil, donc ici, de façon que ça fasse 8 et 8, donc 16, le problème, c'est qu'au moment de faire le bord, ça fera plus grand que le devant. Donc du coup, ça va se chevaucher derrière. Ça fera vraiment pas joli. Donc j'ai fait 7 et 7. Ensuite, le creux, je le comblerai avec le bord. Donc autre chose. En fait, moi, j'ai fait 16, 16, 16 pour cette taille. Et ça dépend aussi de la laine. Hein. Vous devez faire une maille chaînette par rapport. Vous prenez un pull que vous avez déjà de l'enfant. Ou si vous avez l'enfant avec vous, encore mieux. Et vous faites une chaînette et vous regardez bien autour de son cou. Que ça aille bien autour de son cou comme vous voulez. Ensuite, donc moi j'ai obtenu 16. Ensuite, on commence là le rang. Le rang, on le commence là. Donc ça, c'est les 3 mailles en l'air du commencement. Ensuite, donc on fait alors 3 brides en dehors de ces 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. On fait 3 autres brides. Une augmentation. On saute 2 mailles. Vous voyez? Là, j'ai sauté 2 mailles à chaque fois pour que ça fasse fantaisie. Donc, vous sautez 2 mailles et ici les rouges que j'ai dessinées en rouge, c'est des mailles supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que si vous avez obtenu, admettons ici, voilà, 10, je dis n'importe quoi, hein, 10, 10, c'est un exemple, 10 et du coup 4 et 4. Eh bien, vous allez toujours calculer donc. Vous faites 10 plus 10, 20, plus 10, 30, plus 8, 38, et vous ajoutez les 4 mailles supplémentaires pour que le motif coïncide. Donc, 38 plus 4, 42. Donc là, ça vous ferait 42 mailles. C'est comme ça qu'on s'y prend pour faire ce motif fantaisie sur le coin. Donc ensuite, on saute 2 mailles, et dans cette maille supplémentaire, donc cette maille plus, on va dire, qui n'est pas comptée, on va faire 3 mailles ensemble, 3 brides ensemble, une maille en l'air, et au même endroit, de nouveau 3 brides. Et ensuite, vous ressautez 2 espaces, etc. Donc on va le faire ensemble. Ça, c'est pour, par rapport aux autres tailles. Et ensuite, regardez. Ensuite, vous continuez tant que vous voulez. Là, quand vous allez avoir ce morceau qui va se former, vous allez voir, vous allez savoir par rapport aux manches. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je continue toute cette partie? Etc. Voilà. Parce que des fois, le cou, par exemple, d'un bébé de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est à peu près pareil. C'est surtout ce qui change, c'est cette partie-là. Et surtout de son ventre. Donc ça, il faut bien calculer de continuer cette partie tant que vous n'avez pas la bonne largeur que vous désirez. Donc pour commencer ce pull,
Qu'est-ce qu'on fait? On fait, donc moi, mon cas, j'ai fait 66 mailles. Donc vous allez faire des mailles chaînettes jusqu'à en avoir 66, si vous voulez faire ma taille. Mais sinon, le temps que ça fasse bien la maille chaînette, il faut qu'elle fasse bien le diamètre du cou de l'enfant. Donc comme un pull, hein, voilà. Et là, vous aurez le bon nombre chaînettes. Ensuite, vous partagez, hein. Moi, je vais vous donner ce que j'ai fait pour la taille 3-4 mois. Donc le premier rang de ce pull se fait 3 mailles en l'air. Donc j'ai déjà mes 66 mailles. Je fais 3 mailles en l'air supplémentaires qui équivaut à la première bride. Je fais un jeté et je compte depuis mon crochet, je compte 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je commence à travailler en bride. Donc 1, 2. Donc là j'en ai 4. Vous êtes d'accord avec moi, 4 individuels parce qu'avec les 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on en a 1, 2, 3, 4. Maintenant, dans la cinquième ici, on va faire une augmentation. Donc deux brides dans la même maille. Une et deux. Maintenant, je saute deux mailles. Une et deux. Et dans la troisième, je fais trois brides dans la même maille. Une, deux et trois. Je fais une maille en l'air et au même endroit ici, on va refaire trois brides. Une, deux et trois. Maintenant, on saute de nouveau deux mailles, une, deux, et dans la troisième, on refait une augmentation. Deux brides dans la même maille, une et deux. Maintenant, on va venir faire 10 brides individuelles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et 10. Maintenant, dans la 11e maille, ici, enfin dans la 11e maille, après les 10 brides individuelles, ce qu'on fait, c'est une augmentation d'affilée. Donc, dans la maille suivante, une augmentation de brides au même endroit. Une et deux. Maintenant, on saute deux mailles de nouveau. Dans la troisième, on fait 3 brides. Au même endroit, une, deux, trois. On fait une maille en l'air de séparation et au même endroit, trois brides. Une, deux, trois. Donc en fait, que je vous explique. Je vais vous prendre le papier. Regardez. Ici, moi, j'ai mis 16 mailles de chaque côté. Mais le truc, c'est que on saute 2 mailles, comme on a fait. On fait une augmentation. Donc là, on a déjà 1, 2, plus l'augmentation, ça fait déjà 3 mailles. Et 3 mailles de ce côté. Donc quand on enlève les 6 mailles aux 16, on a 10 brides individuelles ici. C'est comme ça que vous devez calculer quand vous avez fait votre partage. N'oubliez pas d'enlever deux mailles ici et deux mailles là. Et dans la première maille, vous avez une augmentation. Et dans la dernière aussi, avant de sauter les deux mailles. Donc j'espère que c'est bien clair. Donc ça va être ça. En fait, c'est juste le premier rang. Vous pouvez même le dessiner, comme j'ai fait moi. C'est juste le premier rang. Après, ça va tout seul. Donc là, on continue en sautant deux mailles. Une, deux. Dans la troisième, on fait une augmentation. Donc c'est ça la séquence. Une augmentation. Les 10 brides individuelles. Une. Deux. Trois. Comme ça jusqu'à en avoir 10 individuelles. Une fois que j'ai mes 10 brides individuelles, après mon augmentation, donc je fais mon augmentation. Ensuite j'ai fait 10 brides individuelles. Je refais comme tout à l'heure, je saute deux mailles, non, pardon, j'ai fait mes 10 brides individuelles,
Donc dans la maille suivante, je refais une augmentation. Deux brides dans la même maille. Et là, je saute deux mailles et je recommence mon groupe de trois brides. Deux, trois, une maille en l'air. Au même endroit, trois brides de nouveau. Une, deux, trois. Je saute deux mailles, une et deux. Et dans la troisième, je fais une augmentation. Deux brides dans la même maille. Et je vais refaire mes 10 brides individuelles. J'ai fait mes 10 brides individuelles après mon augmentation. Maintenant, je fais une augmentation d'affilée. Comme à chaque fois, une et deux brides au même endroit. Et c'est maintenant, oui, c'est le moment de sauter les deux mailles. Dans la troisième, je fais mon groupe de trois brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, trois brides. Une, deux et trois. Je saute deux mailles, une, deux. Et dans la troisième, je fais une augmentation. Une et deux brides au même endroit. Et maintenant, je termine par quatre brides individuelles. Une, deux, trois et quatre. Donc là, j'ai terminé mon rang. Donc regardez quand je le pose. Il prend tout seul la forme d'un carré. Donc en fait, ça c'est la base. Ça, c'est un carré en fait. Et ensuite, par rapport aux augmentations, vous allez voir, ça va se former la partie d'en haut. Donc, vous allez voir, c'est juste le premier rang que vous allez compter, le premier rang. C'est sûr, certain. Parce que si vous avez pas exactement, vous voulez pas exactement la même taille que moi, vous devez compter. Mais ensuite, une fois le premier rang terminé, après c'est tout seul. Ça va tout seul. Donc moi, juste avant de commencer le premier rang que je viens de vous montrer, j'avais fait un rang de 66 brides individuelles pour former un col un peu plus arrondi. Mais après, vous, vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au second rang. Par contre, le second rang, on va prendre toutes les mailles sur le brin arrière, en fait, par le brin arrière, pour former le relief. Donc, on fait trois mailles en l'air. On fait des brides individuelles, mais en prenant que le brin arrière de chaque maille. Donc, une, deux, plus les trois mailles en l'air, trois, quatre, cinq. Et quand j'ai fait mes cinq brides individuelles, regardez, la dernière maille qui me reste ici avant l'angle, c'est la seconde bride de l'augmentation précédente. Vous voyez ? Une, deux au même endroit. Eh bien, dans chaque rang, quand vous allez arriver sur la seconde bride de l'augmentation, ici, vous allez faire une augmentation. En prenant le brin arrière toujours, vous faites deux brides. Une et deux brides au même endroit. Vous voyez ? Et maintenant, on vient piquer au centre de l'éventail qui forme l'angle. Au centre, on avait fait une maille en l'air, donc il reste un petit trou. Au centre ici, vous piquez et vous faites trois brides. Une, deux et trois. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation et au même endroit, de nouveau, trois brides. Une, deux et trois. Vous voyez ce que ça donne? Maintenant, pareil, vous venez ici, donc là, dans la première augmentation, dans la première bride, et vous faites, en la prenant le brin arrière, deux brides au même endroit. Une et deux. Maintenant, vous faites vos brides individuelles jusqu'à arriver à la seconde bride de l'augmentation suivante.
Donc là, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ah, 13, non, 12, pardon. Donc, tout à l'heure, on avait fait d'hybrides individuels, si vous vous rappelez. Mais, que je vous montre dans le papier, toujours, ça fait toujours un petit plus pour que vous compreniez bien. Vous voyez ici, donc là, ça ne change rien, hein, sur la maille en l'air, ici, j'ai fait de nouveau mon motif, hein. Et ensuite, j'ai sauté deux mailles, une, deux. J'ai fait une augmentation dans la première des deux brides. Et du coup, dans la deuxième, j'ai fait une bride individuelle. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Dans la première de l'augmentation et dans la seconde, j'ai refait une augmentation. Ensuite, dans le rang suivant, de 10, je suis passée à 12. Là, j'aurai 14 brides individuelles, 16, 18, etc. Et ensuite, le motif ici ne change absolument pas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. Donc là, donc après avoir fait mes 12 brides individuelles, je fais une augmentation sur la seconde bride ici de l'augmentation précédente. Donc, une... et 2. Et je passe à mon motif de bord. 3 brides au même endroit. Une maille en l'air. Et de nouveau, 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Et là, vous faites la même chose. Une augmentation dans la première. 12 brides individuelles. Une augmentation dans la dernière bride. Dans la deuxième bride de l'augmentation, le motif de bord, etc. Et vous terminez par le motif ici d'angle. Et de la même façon, vous faites une augmentation dans la première des deux brides. Et ensuite, des brides individuelles. Mais rappelez-vous, très 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 important, prenez les brides par en relief par derrière. N'en oubliez pas. Vous voyez, j'ai commencé par une augmentation et j'ai terminé par mes 5 brides individuelles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est 3 mailles en l'air. C'est pareil hein, que les autres rangs, ne vous inquiétez pas. Mais vous continuez à prendre les brides, le brin arrière de chaque maille. Donc vous commencez à crocheter. Jusqu'à arriver à la seconde bride de l'augmentation précédente. Il n'y a vraiment rien qui change. Voilà, j'y suis. Je fais deux brides au même endroit. Une et deux. Et j'attaque mon motif de bord. Deux, trois brides au même endroit. Une maille en l'air de séparation et trois brides au même endroit. Et maintenant, vous connaissez par cœur. Je prends le brin arrière de la première des deux brides, au même endroit. Et je fais une augmentation. Une, deux. Ensuite, je fais mes brides individuelles, donc c'est 14. Et ensuite, de nouveau, le motif ici, etc. Donc moi, dans le modèle original, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangs comme ça. Après vous, si vous voulez une taille toute petite, peut-être que vous allez en faire que 7. Ou si vous voulez une taille plus grande, peut-être que vous allez en faire 9, 10, je ne sais pas. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous estimez que cette partie-là est la bonne. Les manches sont assez grandes. Et ici aussi. Quand vous avez obtenu les bonnes mesures, là, c'est facile. On va travailler droit, vous allez voir.
droit, donc en respectant les brides, on va juste faire une augmentation à un moment donné pour pouvoir donner un peu plus forme au bas du pull, pour qu'il soit quand même, mais ça reste très élastique, ne vous inquiétez pas. Donc moi je vais continuer un petit peu, je vais faire moins de rangs parce que c'est juste pour vous montrer celui-là. Et ensuite je vous montrerai comment former les manches et le devant.